Yo, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, du coup, éliminé par Manchester United. Et franchement, je vais pas vous mentir, il y a plein de choses qui m'ont énervé. J'ai lu plein de choses, j'étais vénère. Alors, moi, j'ai vu le match, parce que j'en soupçonne beaucoup de ne pas avoir vu le match. J'ai lu des trucs, c'est pas possible qu'on ait vu le même match. Donc, on va parler du Paris Saint-Germain, bien sûr, mais aussi on va parler de Manchester United, parce que faut parler des deux équipes. Dans un match, il y a deux équipes. Je rappelle juste que je ne suis pas supporter du tout du Paris Saint-Germain. Ceux qui me connaissent le savent très bien, les amis. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a vu comme réaction? Les Parisiens, ils ont pas de mental. Toute façon, c'est sûr, on empile des joueurs. Il y a pas d'esprit, il y a pas de cœur, etc. Mais les gars, là, on va parler du Paris Saint-Germain. Les trois buts, c'est quoi les trois buts? Kerrer, 5e minute, je sais plus quoi. L'autre, il fait une passe dégueulasse. Moi, je suis l'entraîneur. Je vois ça, je rentre sur le terrain, je lui mets une claque. C'est pas possible. Donc là, ce premier but, d'où il y a un manque de mental, d'où il y a un manque de cœur, de quelque chose. C'est une pipe qui fait de la merde. Ça peut arriver dans partout. Voilà. Derrière, ils réussissent à égaliser. Encore une fois, c'est Mbappé qui déclenche l'appel, qui fait tout. Il fait une passe magnifique. Alors, il y en a, ils disent, non, c'est un tir raté. Bon, ouais, mais c'est quand même une passe décisive, ça rentre dans les stats. Et après le match, il y en a, ils vont dire quoi? Oh, de toute façon, Kylian Mbappé, il est surcoté, nanana, on le compare à Pelé, en vrai, il est nul, et il a glissé à la fin du match. Mais les mecs, il a 19 ans, il a gagné la Coupe du Monde. Sans lui, on n'aurait pas gagné la Coupe du Monde. Sans lui, peut-être que Paris serait déjà pas ici. Rappelez-vous, le mec, il est monstrueux, mais c'est pas le meilleur joueur du monde. Ça aussi, oubliez pas. Parce que ces mecs-là qui critiquent, là, qui le taillent. Ouais, il est nul, c'est une pipe. C'est les mêmes. Il y a une semaine ou il y a 15 jours qui disaient oh, c'est le nouveau Pelé, il est génial, il est trop fort, il va gagner la Ligue des Champions, 10 ballons d'or. Non, mais les mecs, faut être tranquille vers le haut, mais faut être tranquille vers le bas. Donc, il est pas prêt encore de gagner le ballon d'or. C'est pas encore le meilleur joueur du monde. Peut-être qu'il y arrivera, peut-être qu'il n'y arrivera pas. Mais c'est pas lui qui va faire gagner la Ligue des Champions à son équipe. C'est pas à cause de lui qu'ils ont été éliminés, voilà. Donc ça, c'est pareil. Crac, on écarte. Deuxième but, les amis. Deuxième but, une frappe. Dégueulasse, la frappe. Elle met 6 heures à arriver jusqu'au but. Et la bouffonne, il a le temps de faire son lacet, d'aller prendre un café. Il se place d'une façon dégueulasse. Il se place, mais même moi, quand je jouais à 6 ans en gardien, mais mon placement, il était meilleur. Et là, il te fait une espèce de saucissonnade de n'importe quoi. Mais après, il foire, à la rigueur, il frappe, il foire son arrêt, d'accord. Tu foires ton arrêt. Il est à genoux, le mec. Il met un quart d'heure à se relever, les mecs. Il y a deux coéquipiers, ils sont venus. Ils l'ont aidé à se relever pour qu'il essaye de faire le deuxième arrêt. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, Gianluigi Buffon. Et arrêtez, les mecs, aussi. Et ceux qui connaissent le foot le savent très bien. Quand il était à la Juve, il était déjà plus au top. Pourquoi ils l'ont laissé partir, la Juve? C'est qu'il y a une raison, les mecs. C'est qu'il y a une raison. Ils ont pris qui? Ils ont pris Chesney, que Arsenal, il était même pas titulaire. Bon, après, à la Roma, il était bon, mais voilà. Mon cousin, qui est fan de la Juve, qui est vraiment ultra de la Juve, il va au match et tout. Le gars, c'est pas... Il est à son canapé comme ça. Il connaît le foot. Je lui ai dit, ouais, dégoûté l'été dernier. Je lui ai dit, ouais, dégoûté, Buffon, il part et tout. Il me dit, non, tranquille. Il me dit, nous, c'est triste parce qu'on l'adore. Mais de toute façon, il n'aurait pas été titulaire cette année. Il n'est pas titulaire à la Juve. Le PSG l'achète, eux, ils le mettent titulaire en Ligue des Champions. Voilà. Bon, il fait une erreur. Derrière, Lukaku, il pousse le ballon dans le but. But. Le deuxième but. En quoi il y a un manque, encore une fois? En quoi il y a un manque de cœur? En quoi il y a un manque de mental? C'est une erreur. C'est une erreur de gardien. Ça n'a rien à voir avec les autres joueurs. Rien à voir. Derrière, les Parisiens, ils poussent. Mais les gars de Manchester, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont à 12 derrière. Ils ont même fait rentrer les remplaçants. Les remplaçants, ils se sont mis devant le but comme as. Non, mais c'est pas possible. Les mecs, ils devaient absolument marquer. Ils jouaient défensif. Ils avaient zéro contre. Ils n'arrivaient pas à aligner 3 passes. On aurait dit une équipe de DH. Alors vous allez me dire, oui, mais il manquait quand même 10 remplaçants et tout. Oui, mais attends, c'est Manchester, les mecs. Ça veut dire que Manchester, avec même une équipe bis, il y avait des mecs que j'avais même jamais vus dans les jeux vidéo. Même dans Football Manager, l'autre, tu tapais son nom, là,
Grindelwald, je sais pas quoi, là, Gandalf, on aurait dit des noms inventés. Ils ont été faire floquer son maillot dans la boutique du Paris Saint-Germain avant le match. Allô, l'autre, il avait une chouffe, mon frère. Mais quand il y a du vent, les cheveux, ils sont devant, ils voient plus clair. Donc, il jouait pas, il jouait derrière. Mais, hé, c'est retour vers le futur. Ils devaient avoir un almanach, ils avaient vu qu'ils allaient marquer à la dernière minute. C'est pas possible. C'est pas possible de jouer à 12 derrière quand t'as déjà un but de retard et que t'es éliminé. Non, non, eux, ils jouaient défensif. Mais pas défensif. Tranquille, tu vois. Non, défensif. Si on récupère le ballon, on le redonne aux Parisiens. Revenez, revenez, vous marquerez pas. Comment tu veux marquer? Même le Barça, quand il y a des fois 12 mecs derrière, ils n'arrivent pas à marquer. Paris, ils n'arrivent pas à marquer. Et là, j'étais avec mon meilleur ami, supporter du Paris Saint-Germain, qui est en... Il me dit, il était comme ça. Hein. D'habitude, il est vénère sur l'image. Et il était comme ça. Il était calme. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, frérot? Ça va, tranquille. Non, non, il me dit, non. Il me dit, tu vas voir, on va se faire niquer. Je dis, non, c'est pas possible, c'est la 85e minute. T'inquiète, t'inquiète. Je dis, non, tiens, on va se faire niquer. Une contre-attaque, Manchester. Un mec, le même mec qu'un autre qu'on n'avait jamais entendu parler. Il voit, il est à 30 mètres du but, il dit, Inch'Allah, ça marche. Le gars, il tire, mais le ballon. C'est pas qu'il sortait du stade, c'est pas qu'il sortait du... Il passait le périph, les gars. Il prenait son ticket au péage, il partait comme ça en vacances à la mer. C'est pas possible. Et là, Kimpembe, il saute pour contrer le ballon. D'accord, il saute. Il saute de dos. Toi, quand tu sautes, Vas-y, saute dans. Lève-toi, pose ton téléphone 2 secondes, tu mets pause. Et vas-y, saute de dos. Est-ce que tes bras, ils sont comme ça? Est-ce que tu sautes comme un saumon? Y'a que les saumons, les mecs, qui sautent comme ça. Non, quand tu sautes un minimum, tes bras, ils bougent. Sinon, on se coupe les bras, les footballeurs, on coupe leurs bras. J'en ai rien à foutre. Ils arrivent, ils signent le contrat. Allez, viens, tu l'assois dans une chaise, tu lui fais une petite perfusion pour l'endormir et tu coupes les bras. Il n'y a plus de problème. Il se démerde, il joue avec des moignons. Donc il saute, il contre le ballon. Bah, corner. Et là, qu'est-ce que je vois? L'arbitre qui est comme ça. Je dis, qu'est-ce qu'il fait? Il a un appel. Il a un appel, le mec, il est en match de Ligue des Champions. L'autre, il prend un appel. Il y a sa femme, il dit, ouais, bébé, écoute, ramène du pain, chérie, parce que là, on va être en manque. Non! Non! C'est la VAR! C'est qu'il y a trop. Combien ils sont? Il y a des gens qui sont, à mon avis, problématiques dans leur cerveau, qui sont dans un car. Ils ont vu Kimpembe sauter, ils ont dit attends, on va essayer de les niquer. Jean-Mi, fais zoom. Fais zoom, à mon avis, on va trouver un truc. Le gars, il zoom et il voit que le ballon, quand il a sauté, il a tapé le coude. Mais de toute façon, le ballon, il était même pas cadré. Il va dire, allez, on les nique. Appelle Jean-Guy, là, dans l'oreillette, que l'autre, il avait déjà mis le corner. Hein. Tu lui dis, pénalty. Mais l'autre, il dit, non, les gars, je peux pas, pénalty. Pénalty. Non, mais les gars, je peux pas, il n'y a pas pénalty. Pénalty, on t'a dit, il touche le coude, on s'en bat les couilles. Oui, mais le bras, il est quand même pas très... Non, pénalty. D'accord. Pénalty. Mais s'il y a pénalty là-dessus, les gars, à chaque match, on va voir les entraîneurs. On leur dit, les gars, vous allez déjà commencer par une séance de pénalty. Mais c'est pas possible. Vous allez commencer par 5 pénalty chacun. Celui qui marque les premiers, bam, comme ça, vous commencerez peut-être à 5-4, peut-être à 5-2, si peut-être la... Voilà. Pénalty, but. Paris Saint-Germain éliminé. Et après, il y en a, ils disent, ah, mais ils ont pas de cœur. Ah, bah, de toute façon, ça empile les stars. Ça a pas de mental. Mais les gars, 2-0 individuel et un pénalty approximatif. Me dites pas, il y a pénalty, je me vénère, les gars. Bon, je vous fais des bisous quand même.